Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller tester le fameux Jiren Full Power LF que j'ai 6 étoiles. On l'a obtenu hier une première fois lors de ma vidéo invocation et une seconde fois pendant le live YouTube hier soir. Franchement, c'était incroyable. Alors, ce Jiren, il est extrêmement puissant. J'ai déjà fait quelques games hier soir avec, je l'ai testé dans vraiment pas mal de teams. Il cogne, hey, il t'envoie des blasts, frère, il t'arrache la tête. En revanche, je trouve qu'il a une petite faiblesse au niveau de la défense. Je le trouve pas assez tanky. Alors, c'est loin d'être catastrophique, on va pas exagérer. Mais par exemple, quand je tombe sur le Goku Tag Vegeta Blue LF, je me suis pris une strike, une spé, Jiren n'était plus là. Alors qu'il est quand même 6 étoiles. Donc ça fait un peu mal. Bon, après, voilà, maintenant je l'ai mis dans une team LOE. Pourquoi j'ai fait cette team-là? Car il y a des cap Z défensifs, d'accord? Avec également le shield qui te booste la santé, la force. Voilà, au niveau des points de vie, comme ça c'est mieux. Il augmente de 20% la force et également de 18% la quantité de régénération. Donc voilà. Et quand tu pars avec Jiren en leader, du coup, il va bénéficier des cap Z des autres personnages. Maintenant, voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense utiliser, voilà, également le Freezer LF, qui est également de type Blast, tout comme le Jiren. Il y a également le Freezer Revive. Donc, voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. On va partir en PVP, les amis. Max 2 pouces bleus en mode Genki Dama, comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Yeah! Pour cette première game, on affronte un Soso Family de la guilde Soso Family. Alors, je pense que ces trois-là, c'est DJ Dragon Ball. Incroyable. Franchement, ça fait plaisir, voilà, de tomber sur la communauté. Quand je suis en vidéo, bon bah faut pas bégayer là. Il a une belle team en plus, Cyborg. On va voir, ok, là C18, ok. Le C17 Zenkai et le C17 à 10 étoiles, ça fait une belle team. Et bah écoute frérot, que le meilleur gagne. Les amis, max de pouces bleus. Là ça vaut le coup du coup, allez. On va aller voir un petit peu comment il joue le frérot. Ok. Parfait. Voilà Jiren, hein. On voit un petit peu les dégâts qu'il a pu causer. Et il tank, hein. Alors qu'il a contre-type quand même, hein. Ça tank, hein, le Zenkai, hein. Le C17 Zenkai, il tank. Eh bien, il me fait mal en plus, hein. Alors qu'il a contre-type, hein. Voilà, elle arrache bien. Très bien. Là-dessus, on va mettre le Jiren. Voilà. Ish. Sa verte, c'est incroyable. Par contre, là, la cover, ok, de C17. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Il a bien joué. Eh, il joue bien quand même, DJ Dragon Ball. Franchement, tu joues bien. Ouf. Voilà, j'ai ramassé là. Mais il joue bien, DJ Dragon Ball. Franchement, tu joues bien. Ok. Très bien. Ok. Très bien. Ça va être à moi. Voilà. Parfait. Ok. Parfait. Et là, je vais pas me casser la tête. Je Rising Rush direct. Allez, on va mettre l'aspect. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, il joue bien. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Ok, ça passe. Je pense pas que ça va tuer, hein. Parce que je suis quand même à contre-type. Personne n'est mort. Et ça ne tue pas. Oh là 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 là. Et en plus, du coup, bah forcément, il se régène. Ok, ça c'est bien ça. Ok. Du coup, là, il va bien tanker. Voilà, comme ça. On peut recharger un peu. Voilà. Ok, parfait. Parfait ça. Huch, voilà. On a bien anticipé là. Avec la carte verte. Voilà. Je vais même pas me poser de questions. On va faire l'ultime là-dessus. Il a eu le temps de remettre le C17 Zenkai. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum. Je pensais pas qu'il pouvait le remettre tout de suite. Par contre, il a fait mal. Là, on peut voir. Hein, Jiren, là, il a fait mal. J'ai pas pu esquiver, par contre, là, après. Ok. C'est chaud, hein. Franchement, ouais, cette première game, elle me fait déjà transpirer, là. Ouf. Ah d'accord, ok, la blast. Ça va faire mal.
Ich. L'aspect culé. Walida. Voilà, ça, ça fait plaisir. Le Rising Rush sur Jiren, ok. On n'oublie pas, Jiren, quand il y a un Rising Rush, il prend un boost à la suite. Donc là, il ne mourra pas. C'est ça qui est intéressant avec Jiren également. Franchement, c'est intéressant. Voilà, et comme ça, il revient. Voilà, parfait. Et là, maintenant, les dégâts, ça va être autre chose. Là. Ah oui, purée, elle récupère l'esquive. Oh là, je m'attendais pas à ça. Voilà. Ok. Oh là 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 là. Elle me fait transpirer cette game là. Ish. Voilà. Ah ouais. Regardez, je ramasse hein. Jiren, il la ramasse là au niveau de la blast de C17. Ok. Parfait. Bon, je vais pas le Rising Rush une deuxième fois. Je ne le ferai pas. C'est un membre de la guilde Soso Family. Je ne Rising Rusherai pas une deuxième fois. Après, j'espère qu'il fera pareil. Oh, par contre ça. Par contre ça. Par contre ça. Ça passe. Alors, je suis désolé pour le LF, frérot. Mais comme ça, au moins, j'étais sûr et certain que ça passait. Parce qu'il traverse les blasts. Tu as vraiment... très très bien joué frérot DJ Dragon Ball. Et du coup pour la vidéo c'est cool parce que ça permet d'illustrer un joli LF avec le Freezer. Parce que d'habitude pendant les vidéos à chaque fois ça fait des connexions et on n'a pas le temps de voir les LF. En tout cas GG à toi, franchement tu jouais très bien, ta team elle est vraiment au top du top. Franchement c'était vraiment super tanky. Mais concernant Jiren, voilà on a vu hein, ça cogne hein, Jiren. Mais vous avez vu quand j'ai pris les blasts là de C16 Zenkai voilà quoi, c'était un peu... Team Divin en face de nous, bah moi je prends les trois mêmes et on recommence. Voilà, je vais vraiment essayer de vous montrer dans cette vidéo, hein, voilà ce que je veux vous montrer. En particulier, c'est vraiment la puissance de Jiren. Parce que c'est vraiment un monstre, hein. Ok, il a pris Gogeta, il a pris Gata, il a pris Vados, très bien. Ok, parce que vraiment, Jiren, je vous le dis, il casse de la bouche. Mais, tu vois, le Freezer là que j'ai à 9 étoiles, bah je trouve qu'il casse de la bouche, mais qu'il a également de la défense. Tandis que Jiren, par contre, c'est la défense qui lui manque. Mais bon, on verra bien. On va continuer les games. Bon, on va faire la verte. Hein. Hop, voilà. Voilà, je pense pas qu'il va mettre Gata et Jiren. Voilà, comme je suis à contre-type. Et là, du coup, allez. Ok, là, il a mis Gata. Très bien. La verte de Gata, donc là, je peux rien faire. Ok. Tu vois, je trouve que voilà, à contre-type, il s'en est bien tiré quand même, le Freezer LF, là. Ok, ça, c'est parfait, ça. Et en plus, maintenant, tu vois, il fait mal. Ush ! Voilà. Tu vois, ça fait des dégâts, ça. C'est vraiment pas mal, les dégâts qu'il fait, c'est ouf. Le Freezer LF, franchement, il est super fort. Vraiment, c'est super fort. Le Freezer LF... pour moi, c'est une sacrée unité. Hein. Ceux qui l'ont à 14 étoiles, ça doit être quelque chose. Hein. Ok, parfait. Let's go. On se pose pas de questions. Uch. Voilà. Puis bon, je vais Rising Rush. Hein. Voilà. Allez, let's go sur la Vados. Comme ça, si on peut l'empêcher de soigner Vados, ça nous arrangerait. Allez, ça passe. Ça passe, c'est bon. Voilà, bon. On va essayer maintenant de mettre un peu Jiren en action, histoire d'eux, mais faut faire attention aussi. Hein. Faut faire attention aussi. Ok. Ah, forcément. Ok, donc pour l'instant, voilà, on attend. Hein. Parce qu'en plus, il a encore son main. Tiens, bah voilà, quand on parle du loup, il arrive. Ça devrait pas tuer. Il va rester, je pense, encore un petit peu de vie à Freezer. Mais je pense pas que j'ai besoin d'utiliser le revive. C'est bon, tu vois. Tranquille. Ok, ça c'est parfait. Très bien, la cover. Ok, Jiren là. Parfait ça.
L'aspect de Jiren, 1,7 million. Voilà, voilà. 1,3 million l'aspect. La strike, voilà. Là, il fait mal. Là, tu vois, là, il casse de la bouche. C'est ce que je disais. Vraiment, voilà. Jiren, c'est ça. Hein, c'est un casseur de bouche. Hein. Pas mal, là, ce qu'il a fait. Il a bien tempo. C'est un casseur de bouche. Voilà, clairement. T'as cassé de la bouche. Après, hop, tu l'enlèves et tu remets un autre perso. C'est clairement ça. En tout cas, moi, franchement, je trouve que ouais, c'est impressionnant. Bon, bah là, c'est fini pour lui. Voilà. Ich. Et là, il devrait le terminer. Voilà. Ça casse de la bouche le Jiren Full Power. On l'a vu, hein, dès qu'il a commencé là, à cogner. Ah là là, l'autre, il était pas bien. Je vais voir, j'en suis où d'ailleurs dans le classement là. Parce que on joue. Mais il faudrait voir aussi le classement du coup. Hop, voilà. Allez, fais voir un petit peu où on en est où. On doit être dans le top 10K, je pense. Hein. On doit être dans le top 10K. Ouais, on est dans le top 9K même. 8952. Le virus anti-revive en face de nous. Donc là, ça va être vraiment intéressant. Je prends quand même du coup le freezer revive. Parce que voilà, si j'arrive à bien jouer, bon, peu importe, tu vois. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, il a pris le tag. Alors, faut que je fasse attention, voilà, au tag Vegeta et... enfin, Goku et Vegeta. Il y a également Vegeta Zenkai. Il y a le virus anti-revive. Et bah, let's go. Voyons voir, du coup, ce que ça va donner. On va se concentrer un minimum. C'est cool d'avoir Beerus pour cette vidéo. Ok, parfait, ça. Parfait. Ah, ça fait des dégâts, hein. Les blasts, franchement, elles font des dégâts. Hein. On rappelle qu'en face, c'est du Zenkai, hein, et que Jiren, c'est un LF, mais 6 étoiles. Mais voilà, quand même. Hop, ça, c'est pas mal, ça. Par contre, il tank bien, le Beerus, hein. Il est 4 étoiles, mais tu vois, voilà, tu vois la différence. C'est que là, Beerus 4 étoiles en face, ça tank, hein. Parfait, ça. Parfait, ça. On tempo bien, là. On fait des belles tempos. Là, par contre, il a mangé au niveau de la blast. Ah. Ok. Ok. Voilà. Et là, bim. Ça va ramasser. Wow. Voilà. Ok. Ah, pas mal. Il a bien tempo. Il a bien tempo. Donc là, heureusement, voilà, c'est le Vegeta qui tape. Ok. Parfait, ça. Regardez les dégâts. Ok. Ok. Voilà. Let's go. Let's go. Mais vas-y, je vais même plus me poser de questions. Voilà. Parce que sinon, après, il a son main, il peut régénérer et tout, son végétaux. Autant Rising Rush direct. Ça passe. Oh là là, que la haie ! Le Jiren Full Power, franchement, il a une sacrée teuté dans le jeu. Avec sa tête bien vénère et ses grosses veines et ses gros yeux, là. Voilà. On est pas mal dans cette game. Hein. Franchement, on est pas mal, là. Parfait, ça. Donc là, par contre, voilà. Un contre-type, c'est un peu compliqué. Let's go. Voilà. Oh, le freezer. Mince. Je croyais qu'il s'était avancé. Donc là, regardez les dégâts. Ah. Ah. D'accord. Oui. D'accord. Pourquoi j'ai des problèmes toujours en fin de game? Quand je m'en sors bien, après, il y a des problèmes. On peut m'expliquer pourquoi il y a des lags? Ok. Ah, bien wesh. Bien wesh là-dessus, mais il y a des petits lags, alors c'est pas évident. Ah, du coup, il va me le tuer. Il n'y a pas de revive, là. Ah bah ouais, KO. Il me l'a tué. Ok. Ok. Et là, du coup, Jiren. Let's go. Donc voilà, Jiren, par contre, voilà, il a cogné. Il a cogné, mais
Il commençait à ramasser là devant le Vegeta, vous avez vu un petit peu. Il commençait à ramasser quand même pas mal. Bon, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure en début de vidéo, c'est pas catastrophique. Hein. C'est pas non plus le plus nul, tu vois. Mais quand même, on a voilà, on a une légère petite faiblesse, tu vois, niveau tankiness. Un tout petit peu plus de tankiness, ça aurait été vraiment pas mal. Et là, on est dans le top 8K, 7830, c'est pas mal, on avance. C'est une team ennemi puissant en face, ça va être intéressant du coup. Voilà, je prends les trois mêmes, et puis bah, on va être parti. Alors, faut faire attention, il y a quand même le clip boom, mais bon, ça va, les trois étoiles. Black, après, attention au Bojack également, parce que moi, face à mon Freezer LF, je peux ramasser, tu vois, à contre-type. Et du coup, il prend quoi? Il prend Black Rosé, le Bojack et le clip boom. Ok, 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 très bien. Et bah, écoutez, hein, on est parti, on va voir un petit peu ce que ça va donner dans cette game. Faut faire gaffe quand même, le clip boom, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il récupère super vite sa TP, voilà, avec la carte verte et tout, ça, ça peut être un peu embêtant, mais bon, voyons voir. Ok, il a commencé direct comme ça, je vais voir les dégâts, ok, ça va là, ok, j'ai mal joué là-dessus. Ok, j'arrive pas à bien jouer là. J'ai du mal là, j'ai du mal à me mettre dans ce début de game au top. Ok, là c'est bon. Voilà. Ok. Donc là le Bojack en plus. Ok. Jiren. Voilà, Jiren a fait des dégâts. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Le fait qu'il fasse des dégâts comme ça, c'est vraiment très intéressant, surtout sur le Bojack. Par contre, là, voilà, on va mettre le Freezer Revive pour le contre-type. Ich. Ça picote un peu, hein. Mais bon, vu qu'il est à contre-type, ça va. Il est stylé aussi, Bojack. Ah, ça pique un peu, hein. Let's go. Parfait ça, on a bien joué là-dessus. La petite strike cancel les frérots, on a vraiment vraiment bien joué. Alors ça, direct, je me pose même pas de questions les frères. Je rising rush direct. Allez, on va mettre une spé, ça devrait le faire. Comme ça le clip boom il va sauter. Et puis j'en serai débarrassé. Ah bah non, en fait non, il va pas sauter. Voilà, moi j'ai jamais de chance là-dessus. Quand j'ai un perso qui doit sauter, ça saute pas. Et forcément, il met pas de strike. Bon, par contre, là, du coup, Jiren, il tank un minimum. Parce que, du coup, il est que 3 étoiles, le Kid Buu. Et je pense, heureusement. Par contre, là, je devrais quand même ramasser. Kid Buu, 3 étoiles sur Jiren. Mais il a fait mal, hein. Il a fait mal, quand même. Hein. Allez, regardez, regardez, alors qu'il est 3 étoiles, le Kid Buu. Hein. Voilà, et je me retrouve KO. Je me retrouve KO. Kid Buu, 3 étoiles en face. Hein. Vous voyez, c'est... Défensivement, je pensais pas qu'il allait me fumer mon Jiren. Défensivement, je pensais qu'il allait quand même résister un peu plus. Mais bon, tant pis. C'est comme ça. Oh là, et puis ça, j'arrive plus à jouer. Je fais n'importe quoi. Depuis qu'il m'a contré mon Rising Rush, je fais nimp. C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Allez, allez. On se concentre là. La game, elle est loin d'être finie. Et puis, debout, 3 étoiles. C'est ouf, hein. Il fait des dégâts, le machin. Voilà. Ok, parfait. Voilà. Allez. L'ultime. Oh, il a mis le Bojack, forcément. Forcément, il a mis le Bojack. Donc là, ça va tanker. Ah, le Rising Rush. Il va mettre la blast. Il va mettre la blast. Tu me l'as contré, je te le contre aussi. Allez, allez. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. On remet les pendules à l'heure. Ok, alors attention. La verte de Kid Buu. Ok. Voilà, là, tu ramasses.
Voilà, là tu ramasses. C'est fait exprès, comme ça, hop, on monte un peu le ki, tout ça. Et comme ça, derrière, ça me permet de récupérer un peu d'esquive avec l'autre perso. Surtout que là, voilà, il va y avoir le revive. Donc normalement, on n'est pas trop trop mal. Par contre, le Kid Buu, il a encore plus de 900 000. Il a plus de 900 000 encore, le Kid Buu. La game, elle est super longue. Cuisine! Allez hop! Va faire des churros! Voilà! Bon! On a remis les choses à l'heure. Voilà, c'était. Ah, franchement, c'était chaud. Vous avez vu ou pas le Kid Buu 3 étoiles, tu vois? Le Kid Buu, clairement, pour moi, on peut dire, ça, c'est un bon élève, tu vois. À 3 étoiles, tout ça, ça cogne. Il y a un minimum de tankiness. En plus, il récupère assez vite, du coup. Son esquive, voilà, avec carte verte et tout, tu vois, c'est vraiment intéressant. Bon, après, le Jiren, voilà, il a de la réduction, tout ça, c'est vraiment top également. Jiren, c'est un monstre de puissance, voilà. Ne comptez pas sur Jiren pour essayer de tanker, voilà, en gros, c'est ça. Surtout que, bon, il n'a pas encore vraiment la team adéquate pour aller avec lui. Vous le mettez en leader, là, franchement, dans une team LOE, et encore, dites-vous bien, là, j'ai joué avec le Jiren, avec que des Cap Z. Alors, voilà, qui lui donne 20% de force supplémentaire et des caps Z défensifs. Si vous enlevez ça, c'est pire. Hein. T'enlèves ça, frérot, c'est une chips, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, après, il y aura toujours des défendeurs, voilà, de Jiren Full Power. Non, il tanque super bien. Non, c'est pas catastrophique, mais quand même, c'est sa faiblesse, la tankiness. Voilà, les amis, pour cette vidéo. En tout cas, je prends quand même du plaisir à jouer avec ce Jiren Full Power. Max de pouces bleus en mode Genkidama. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!